Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Cette vidéo va parler des parents et de leurs enfants. Comment les parents gèrent leurs enfants? Est-ce qu'ils veillent sur leurs enfants? Et quand une fille, qu'est-ce que c'est, allait à l'école, vient à la maison avec un portable de luxe, qu'est-ce que c'est censé donner comme signalement à ses parents? Qu'est-ce que c'est censé signifier? Un homme a vu des choses et il a besoin de tout nous dire. Nous allons l'écouter et après nous allons réagir. Il va dire par exemple que si vous laissez vos enfants venir à la maison avec beaucoup d'argent, même des portables très chers, et que ça ne vous inquiète pas, vous ne leur posez même pas ces questions de savoir d'où ça vient, ne soyez pas surpris qu'un jour l'un de ces ritualistes-là les utilise pour des rituels parce qu'ils veulent remplacer l'argent qu'ils ont misé sur l'enfant. Hein? Est-ce que ça existe? Écoutons-le d'abord. C'est pas parce qu'on aime son enfant qu'on doit laisser l'enfant libre de ses choix. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on paye l'école de son enfant et puis on la laisse. Il suffit de l'avoir matin, son se laver sa bien graisse à l'école. Tu t'en fous de sa vie. Les enfants de moins de 20 ans, là, quand tu as un enfant de moins de 20 ans, tu dois vérifier tout ce que ton enfant fait, surtout quand c'est une fille. Toi, tu n'as pas les moyens. Tu payes juste son école, tu la laisses. Tu vois ta propre fille de moins de 20 ans a un téléphone de près de 300 000 dans sa main. Toi, tu ne travailles pas. Tu sais que ce n'est pas son père qui l'a donné. Tu ne lui poses pas des questions. Tu t'en fous de sa vie. Tu la laisses libre de faire ce qu'elle veut faire. Lui, tu lui donnes le téléphone là. Si le jour la personne a besoin de sacrifice, il va la sacrifier. Toi, tu as payé son école, tu t'en fous de sa vie. Où elle s'en va, tu t'en fous. Elle s'en va à la piscine. Elle s'en va dans les résidences. On s'en va la prendre pour un sacrifice maintenant. C'est maintenant que tu vas venir attraper ta tête. C'est ton enfant. Même si tu n'as rien, éduque ton enfant. Apprends les bonnes manières à ton enfant. Apprends ton enfant à être patient. Apprends ton enfant à être patient. Il a dit beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Il dit que les enfants vont de des résidences. Dieu sait ce qu'ils vont faire là-bas. Elles ont tout le temps de nouvelles choses qui brillent. Mais ça n'inquiète pas les parents. En fait, c'est des parents, souvent, quand ces enfants-là mettent de la nourriture sur la table. Mais il dit clairement, il dit que le jour où ceux qui leur donnent toutes ces choses de luxe vont décider de faire des sacrifices, que les parents ne soient pas étonnés qu'on utilise ces enfants-là pour ça. Vous avez entendu ça? Et ce qu'il dit à ce niveau-là, ce n'est pas de la blague, hein? J'ai fait plus de deux vidéos qui parlent de filles qui ont été sacrifiées pour des rituels d'argent par leurs gars. Genre les jeunes gars qui ont les voitures, les poudres, les Yahoo Boys. Toutes ces choses. Ah! Les filles de 16 ans, les filles de 17 ans, les filles de 18 ans, les filles de 19 ans, on ne peut plus les attraper aujourd'hui. Je suis sorti par exemple tout à l'heure là. Je suis sorti acheter de la nourriture. Je suis arrêté, bon, je me suis arrêté quelque part parce que j'attendais qu'on me rende ma commande, quoi. J'ai passé la commande et j'attendais qu'on me donne la nourriture. Et voici que je vois passer une fille qui a moins de 18 ans. Elle passe et elle me regarde droit dans les yeux. Je lui dis, mais à quoi? Pourquoi elle me regarde comme ça? Elle me regarde droit dans les yeux, elle me fait les yeux d'amour, les choses bizarres. Je lui dis, mais attends, moi je suis grand comme ça. Plus de 1,80 m. Tu me regardes. Tu n'as pas peur. Tu peux pas dire que tu peux pas dire que je peux être ton papa. Au pire des cas, ton tonton.
mais tu me regardes comme si tu n'as pas peur. En fait, tu n'as pas peur de coucher avec les grandes personnes. C'est ce que tu me donnes comme information. C'est pourquoi tu me regardes comme ça. Une fille de 16 ans. Une fille de 16 ans. Tellement ça m'a choqué sur place. J'ai fait, je me suis retourné. Et je l'ai regardé dans sa direction. Et elle m'a regardé encore. J'ai remué ma tête. J'avais mon casque sur la tête comme ça. J'ai remué ma tête. Et j'ai remué ma tête. Trois fois. J'ai dit, quoi? Cette génération est gâtée. Cette génération est foutue. Que ce soit blanc comme noir, rouge comme orange, violet comme marron, le diable est partout en train de travailler pour détruire la jeunesse. Elle n'a même pas peur. Vous n'imaginez pas ce que devient la jeunesse, ce que devient les enfants. Vous les parents, vous les mettez à l'école. Vous les dites qu'ils vont à l'école, alors qu'ils vont là-bas pour prendre la drogue, pour fumer de la cigarette, pour faire ce qu'on appelle la prostitution. C'est comme de jeunes filles, de jeunes collégiennes, qui ont été filmées en train de faire un rapport sexuel avec les gars et ça s'est retrouvé sur Internet. Les parents ont dit, mais quoi? Vous allez à l'école ou bien vous allez tourner film X? Ils étaient même choqués. Parce que les enfants qu'ils arrivent à la maison, ils font comme s'ils sont des saints. Ils font comme des enfants de cœur. Comme des enfants polis. Comme des enfants qui étudient. Mais après, quand ils sortent de la maison, ces filles-là, elles enlèvent leurs vêtements. Ces filles-là, elles s'habillent de façon sexy. Ces jeunes filles-là. Ha! Et le plus grave dans ça, c'est que c'est nos tontons, qui vont maintenant les chercher pour que ces filles-là puissent les appuyer. Hein? Mais attends, si vous, nos tontons là-haut, vous avez fini de vous faire appuyer par ces filles-là, qui va finir de vous appuyer là maintenant là? Le reste là, qui va prendre? Le reste là, j'ai dit, qui va prendre? Ouais, ce monde, c'est décidément pas un bon monde. Ça fait que, quand moi je regarde ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Le monde est gâté, le monde est pourri. Puisque c'est ainsi, nous, on va l'attendre 20 ans après. Pour pouvoir décider de changer notre femme, parce que ce qu'on voit là, ça donne pas l'envie même de faire quoi que ce soit. Et les parents ont du boulot. Et les parents ont du boulot. Est-ce que vous vous en rendez compte que les parents ont du boulot? Être parent aujourd'hui, c'est une tâche pénible. C'est l'un des métiers les plus durs. C'est facile de mettre au monde un enfant. Tout le monde ici sait comment on lance rien. Mais pour s'en occuper, pour faire en sorte que l'enfant reste sur le droit chemin, pour faire en sorte que l'enfant ne soit pas influencé par les choses des réseaux sociaux ou encore ce qu'il voit un peu partout, ça, c'est une tâche difficile. C'est une tâche très difficile, mais pas impossible. Aujourd'hui, pour avoir un enfant fille, non, on prie pour que ça ne se passe pas. Parce qu'on a peur de ce qui risque de se passer après. Parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est terrible. Je me suis rendu hier sur un site X et j'ai vu des choses là-bas. Les jolies filles, des jolies filles, 16 ans, 17 ans, 18 ans. J'ai dit, mais hey! De jolies filles comme ça. À cause de l'argent, elles se livrent. Peut-être que leurs parents leur donnent de l'argent, mais ce n'est pas beaucoup pour s'acheter un iPhone.
Donc, elles veulent avoir beaucoup. Elles se disent, mais comment on va faire? Et les camarades, elles se disent, ah, on va te dire, nous allons te monter le circuit, tu vas sortir des gars, des grands gars. Et voici comment elles rendent les gens du circuit pour sortir avec les durs gars. Et elles se disent, elles, hey, écoutez, moi, je suis devenu grand go, hein. Je suis devenu grand go. Je ne sors plus avec les petits gars, je sors avec les poids lourds. Alors qu'elle a 16 ans. Maintenant, quand tu auras 22 ans là-haut, qui va aller te marier? C'est là que vous allez les voir, 22 ans. Elles sont maintenant fanées. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de goût, il n'y a plus de sucre. Le sucre est fini. On fait comment maintenant? On fait comment? C'est là que je vous dis, mes frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Et là, je ne parle pas de la sorcellerie qui est derrière. Parce que quand l'enfant a l'esprit de la sorcellerie, ses parents vont beau parler, ça ne va pas marcher. Ça ne va vraiment pas marcher. Il ne fera que faire des bêtises. Il va même quitter la maison avant son âge, avant le temps. Et il va commencer à faire des choses pas possibles. Et ça, c'est encore rien. Quand des garçons que vous avez mis au monde, des fils qui deviennent comme des femmes et qui sont en train de faire, de vivre la vie de débauche, d'autres garçons couchent avec eux. Ça là, c'est quoi? Vous les poursuivez. Vous dites non, arrêtez, c'est une abomination. Dieu n'aime pas ça. C'est pas bon. Arrêtez, je ne vous ai pas appris ça. C'est pourquoi vous dites non, vous ne les. Ces enfants vont dire non, vous ne les aimez pas. Vous les détestez. Alors que vous voulez leur montrer le chemin. Vous voulez leur montrer le chemin. Vraiment, mes frères et sœurs. Si vous avez eu des enfants et que des enfants sont sages, bénissez Dieu. Bénissez Dieu parce que ce n'est pas évident de nos jours. Ce n'est pas évident. À cause de tout ça, moi, j'ai sorti de faire mes calculs physiques et mes calculs spirituels. Histoire de voir à quel moment je vais mettre au monde un enfant. Et cet enfant sera un bon enfant. Il aura un bon esprit. Il aura le Saint-Esprit. Parce que si tu ne fais pas bien tes calculs, et que tu mets un enfant qui arrive, il tombe dans une situation bizarre. Tout autour de lui, les choses autour de lui risquent de l'influencer. Et l'enfant risque de souffrir. Eh bien oui. Vraiment, faites attention. Ça, c'est un grand conseil pour les parents. C'est un grand conseil pour ceux qui ont des parents. Et un grand conseil aussi au passage pour les enfants, nos petites soeurs, nos petits frères. N'aimez pas la facilité et ne soyez pas pressés dans la vie. Tu veux un iPhone maintenant, alors que tu n'as pas les moyens, tu fais quoi? Tu vas à l'école, tu suis tes études. Sinon, si tu veux avoir un iPhone, il va falloir travailler dans la légalité. Mais oui, tu dis à ton père, tu dis à tes parents que tu veux vraiment gagner plus que ce qu'ils te donnent. Et tu travailles. Tu leur demandes de te montrer le chemin. Peut-être que ton papa a une entreprise. Il peut te prendre, il va te dire, ok, bien, viens, tu vas rester dans mon entreprise, tu vas faire ceci, et tu seras payé comme un salarié, si tu le veux, bien sûr. Parce que seul le travail peut te conduire là-bas. Mais si tu n'as pas toutes ces conditions, il faut attendre ton temps. Tu vas à l'école, tu as eu tes diplômes, tu fais un stage, tu pries, et que Dieu te donne quelque chose de bon, et tu évolues petit à petit, petit à petit. Aujourd'hui, c'est le iPhone 13 qui parle. Toi, peut-être que le moment où tu vas avoir tout cet argent pour pouvoir t'acheter un iPhone, peut-être que ce sera le iPhone 20. Eh bien oui, peut-être c'est dans 7 ans, parce que ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. Il faut être patient. Il faut être patient. Pendant 7 ans, tu vas attendre. Tu vas étudier. Tu vas te chercher. Ça, c'est le bon chemin que je vous montre. Ce n'est pas un chemin facile. Mais si tu suis ce chemin-là, il y a de bonnes choses devant, sans chagrin. Là, maintenant, 7 ans plus tard, tu vas maintenant t'acheter le iPhone. Ça peut être l'iPhone 20 ou bien l'iPhone 21. Et c'est un jour, c'est parfait. Alors que tous tes camarades qui ont eu les iPhone 13,
le passé que tu voulais suivre. Ces gens-là, peut-être qu'ils n'ont plus les moyens de s'acheter un iPhone parce que les choses ont changé. C'est maintenant ceux qui ont travaillé dur qui doivent être récompensés. Vous voyez? C'est pourquoi la vie, on vous dit que ce n'est pas la course. Marchez à votre rythme, courez à votre rythme aussi. Oui, ne cherchez pas à imiter les gens, à regarder les gens. Moi, le passé, je voyais les gens avoir iPhone. Ça ne me disait rien. Tout le monde me disait, mais que toi, ta tête n'a pas iPhone, tu sais pas ce que c'est. Oh, tu n'as jamais touché un iPhone. Je m'en foutais. Je me disais que vraiment, je n'ai pas les moyens. Je ne peux pas aller me casser la tête pour avoir un iPhone. Je n'ai pas les points de crédit parce qu'il fait un iPhone quand même. Juste pour impressionner les gens. Donc, je me suis contenté de ce que j'avais. Mais quand le temps est venu pour que j'aie un iPhone, je ne suis pas allé acheter un iPhone parce que j'ai envie d'avoir un iPhone. Je suis acheté un iPhone pour le boulot. Pour le boulot. Et ce iPhone coûte plus de 1000 euros. Plus de 1000, environ 1300 euros. Donc, à sa sortie, le iPhone coûtait 1300 euros. Moi, j'ai acheté 1000, plus de 1000 euros, plus de 1700 euros. Vous voyez? J'ai attrapé maintenant le iPhone. J'ai dit, mais ah, toi, tu as un iPhone. C'est toi, on t'appelle iPhone là, non? Comment se fait-il que dans tout le pays, tout le monde a iPhone, tout le monde a déjà touché un iPhone, mais moi, je n'ai jamais touché un iPhone. Mais aujourd'hui, voici l'iPhone dans ma main. Je regarde, je touche, je touche, je touche, je touche. Je regarde les fonctions. Je dis, ah, vraiment, le iPhone, c'est un bon portable. Mais ce n'est pas parce que c'est un bon portable qu'il aime me tuer pour ça. Je l'ai utilisé quelques temps, et puis c'est tout. Ça reste un objet. Un objet qui doit vous servir. Ce n'est pas vous qui allez vous servir, ce n'est pas vous qui allez servir l'objet. C'est l'argent qui doit courir après vous. Ce n'est pas vous qui allez courir après l'argent. L'argent, ça sent mauvais. L'argent sent mauvais. Vraiment, mes frères et sœurs, n'aimez pas la facilité. Parce que dans la facilité, il y a beaucoup de problèmes. Il y a même la mort des temps. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous avez écouté mes conseils.